ビジョンの効かない敵とはさすがマクナ原生林。いろんな生き物がいるもんだな。おまけにモナドの使い手か。ええ、そいつはぜひ会ってみたいな。お前本当に寝てたんじゃないだろうな。ないん。いやだってさ、お前やダンバン以外にモナドの使い手がいるなんて話、にわかには信じられねえよ。準備ができたわ。行くわよ。下がって。Elle regarde dans la lunette au cas où. Oh, 気がついたみたいだぜ。さすが衛星兵。君、ここは。もう大丈夫。安心して。気安く触るでない。いて、おいお前。すまない、つい手が出てしまった。驚かせちゃったみたいだね。そなたらが助けてくれたのか。まあそういうことになるのかな。そうか、我が名はメリア。先の比例許してもらいたい。ホムスの男に触れられるのに慣れていないのでな。ホムスの男。おいシュルク、お前気持ち悪がられてんぜ。なんだよそれ。そなたほどではない。なところでメリア、あなたは一人なの？誰かと一緒だったとか、はぐれたとか。すまない、詮索は遠慮願おう。雪吊りの者たちに話すようなことではないのだ。こりゃまた堂々とした正論だな。でもな、望んで一人になったのでないなら、無理にその状態を貫き通す必要もないんじゃないか。そなたたちこそなぜこんなところにいる。マクナ原生林までホムスが上がってくることは滅多にないはずだが。僕らはここの遥か上、巨神の頭を目指しているんだ。巨神の頭。さてどうやってあの上まで行こうかと難儀している最中さ。そうか、ならば私も礼節を持って答えよう。お、ここマクナから巨神頭部のあるエルト海へ至る道は限られている。へえ、頭がある場所はエルト海っつうのか。この先しばらくの道道を頼む。案内をしよう。本当にありがとう。僕はシュルク。よろしくメリア。シュルクか。ずいぶん堅苦しい感じの子だけど、ホムスよね。なんでこんなところに一人。さーてね、直接聞いたら、俺ああいうの苦手。まずはノポン族の村へ行く。ノポン族？僕たちもノポンの村を探していたんだ。巨神の頭に向かう手がかりがあるんじゃないかって。この地に来てから世話になっていてな。行けばエルト海へ上がる手立てがある。わかった。じゃあそのノポン族の村を目指そう。うん、彼らは巨木を住処にしている。ここから道なりに進めば着くはずだ。Mais non, mais pas les nopons, quoi. Attention aux ennemis ayant recours à la riposte. Ah, c'est donc ça. Les différents types de riposte. Trois types. Riposte simple. L'ennemi inflige des dégâts ou des handicaps dès qu'il subit une attaque. Riposte à terre. L'ennemi inflige des dégâts. Donc quand il est à terre, donc quand on l'a fait chuter. Et riposte de périmètre. À un adversaire à proximité. Ok. Contrer les ripostes. Donc avec le briseur de Monado ou la gemme anti-riposte. Qui réduit les dégâts infligés par les ripostes. Oh, ok. Ou sinon on fait chuter l'ennemi. Ça marche.
Toi, tu dégages. Toi, tu viens. Alors, je suppose que c'est une soigneuse, non? Entre autres. Ah. Il y a du debuff. Elle peut endormir. Donc un peu maze, comme on dit. Sacrifie ses propres PV pour rendre des PV à un compagnon. Bah, c'est pas vraiment une soigneuse, hein. On va essayer quand même un petit peu. Mince, j'ai oublié celui-là. C'est pas grave. Hein. Alors, sur Monado, on a toujours de l'avance. Voilà. Alors, c'est où maintenant? Un petit peu plus loin. Est-ce que j'essaye pas de récupérer ce truc-là? Je vais voir si je peux traverser, si je peux pas. Tant pis. Alors, ce sont qui les voleurs marchands? Bah, ça va en fait, ils sont pas trop arnaqueurs hein, dans ce jeu. Mais si on avait à choisir, ce serait les Nopons. Hein. Il manque comme un pont là en fait. Et un truc en face. Évidemment l'espèce de quête. Hop, on laisse tomber. Oh l'horreur. Bon ok ça va, j'ai compris, je fais le tour. Enfin, je crois. Ouais, apparemment, là, commence à y avoir du bordel sur la France. Donc, si t'es en France, oui. Non, putain. En banlieue parisienne. J'espère qu'il ne va pas y avoir de l'orage parce que là mes fenêtres sont grandes ouvertes. Et je l'entendrai pas. Oula, Gragus l'ancien. Il a pas l'air commode celui-là, on va d'abord se débarrasser de son pote là. Est-ce que c'est une bonne idée de l'engager sans mon healer? Ça,
Parce qu'elle, je sais pas ce qu'elle vaut en heal en fait. Remarque, on va vite le savoir. Hein. Quand il m'aura déglingué la tête, ça veut dire que c'était pas elle. Il allume. Ouais, elle heal pas vraiment en fait. Va falloir que je remette l'autre. La foudre tape les échafaudages ? Non, normalement non. Il va me déglinguer, au secours, à l'aide. Alors, groupe, claque. On est reparti. Putain, il m'a capté aussi loin. En fait, il n'y a pas vraiment de hitbox dans ce jeu. Les ennemis, quelle que soit la distance, à partir du moment où ils ont balancé leur attaque, ça te touche. Il n'y a pas d'esquive possible en fait, en dehors de l'esquive naturelle. Re-Rathalos. Ah, il s'est collé une régène. Au moment où je veux balancer mon soin, il me fait ça, lui. Ça fait que dalle ça. Pas le temps. C'est pas passé. Et c'est quand même mangé l'hémorragie. Alors, gantelet d'écaille. Allez hop, ça sera pour Shulk. Stylé. Aura de soin, ça fait quoi ça? Effet. Rend 30 PV toutes les 2 secondes quand une aura est active. D'accord. Tiens, c'est pas le même que tout à l'heure celui-là. L'autre c'était du bleu qu'il avait sur son dos, lui c'est...
En fait, c'est une flamme. L'autre, c'était de l'électrique. Alors, c'est un kangourou raptor volcan. Au moins, ouais. Au moins ça. Il a pas fait un pli celui-là. Oh, c'est joli. Putain, mais pousse-moi, je te dirai rien. Tiens, pour la peine. Merci les gars, c'est sympa. N'empêche, un petit détail qui en vaut la peine. L'espèce de feuillage qui bouge là sur Wii, c'est quand même assez fou. Hein, parce que je pense qu'il bougeait déjà sur Wii. Hein. Parce que quand on regarde, même si les graphismes, bon ok, ils sont ce qu'ils sont. Il y a quand même des détails qui... font que graphiquement il est quand même propre hein. Parce qu'il n'y a pas que la, comment dire, la beauté des environnements ou la qualité des textures, il y a aussi ce genre de petits détails, le fait que bah ça bouge quand il y a du vent, tout ça joue sur les graphismes. Chez moi, les graphismes sont très très jolis, mais chez toi, c'est comme chez tout le monde, Koro. Pourquoi chez toi? Ah, ils sont pas très jolis, enfin, ils sont pas fins en fait. Les environnements sont sympas, mais on peut pas dire que graphiquement, ce soit, comment dire, ce soit très fin quoi. Après, ça reste un jeu qui sort sur Switch, je m'attends pas à ce que ce soit de la qualité PC ou. PS4, Xbox quoi. Il est plus beau que Xenoblade 2, tu trouves? Je sais pas hein. De toute façon, c'est le même moteur. Hein. À mon sens, c'est le même moteur. Et je pense pas que les textures soient plus travaillées que sur Xeno 2. Hein.
Après, si t'entends par là que les environnements sont plus sympas que ceux dans Xeno 2, ça, je veux bien te croire, parce que dans Xeno 2, le problème, c'est que les îles, elles sont pauvres, en fait. Tiens, tiens. T'avais fait Torna, Kuro ? Il était vraiment pas mal Torna, je trouve. Pour un soi-disant DLC. J'ai vraiment bien aimé. Je l'ai pensé comme un porc. Le contraire m'aurait étonné, mec, en fait. Ah mince, elle est en position 2, elle. Ça m'arrange pas, cette histoire. Allez, toutes ces quêtes que j'aurai pas à faire plus tard. Alors, il y a quoi là-dedans? Mais il y a des trucs chouettes. T'as 400 heures sur le 2? Putain, mais t'as fait quoi? C'est vrai qu'il y a des choses à faire sur le 2. Il y a effectivement pas mal de choses à faire, en fait. Je l'avais pas vu, celui-là. Un haut de panthère. Lui, je vais bientôt pouvoir lui enlever ses armures, non? Il en est où de ses compétences? Ouais, non, pas vraiment. C'est à la fin. Faut que je finisse ça déjà. Et après, ce sera bon. Alors, on a dit déjà le groupe. Hop, je replace ça comme ça. Au niveau des arts... Ouais, j'ai pas assez de points, ça monte. Doucement, mais sûrement. 600 heures sur Skyrim, par contre, ça me choque pas. Parce qu'il y a tellement à faire sur ce jeu que... Et pour peu qu'il ait mis des mods, ton pote, ça se renouvelle non-stop, quoi. D'ailleurs, ça me tenterait bien de le refaire dans la version définitive. Où ils ont refait une petite refonte graphique. C'est tellement chronophage, ce jeu, que il vaut mieux pas que je me lance dedans. Hein. Je me relance d'ailleurs dedans. Quand j'y joue, ouais, je joue sur PC, ouais. Regarde Bob Lennon, plus de 600 épisodes sur Skyrim. Ouais, mais lui, il a découpé en épisodes de 15 minutes, je crois. En tout cas, pendant un gros moment, il a découpé les épisodes. Parce que t'as une option sur... J'allais dire sur Switch. T'as une option sur Twitch, en fait, où tu peux balancer ton record.
est découpé automatiquement par épisode de 15 minutes. Il y a pire que Skyrim? Bah oui, il y a un tas de jeux pire que Skyrim. Il y a tous les MMORPG d'ailleurs. Rien que ça, tu passes beaucoup plus de temps dessus. Avec je sais plus quoi, on peut jouer à deux, certainement un mode. Ouais, The Elder Scrolls Online, ouais, plus de 600 heures, ça m'étonne pas. Vu que c'est un peu un MMO. J'y ai joué un petit peu, mais c'était pas plus mon kiff que ça. Je voulais juste faire un loup-garou dessus et un vampire. Ça, c'est mon délire dans ce genre de jeu. Faut toujours que je fasse un loup-garou, un vampire. Toi, t'as le loup? Bah, si tu veux un vampire, je peux t'infecter si tu veux. En fait, ce que je regrette dans les MMORPG entre guillemets européens, ce serait plus américain, j'ai envie de dire, c'est que ils soignent pas tellement les skins des personnages, notamment les visages, tout ça. Et moi, ce que j'aimais beaucoup comme MMORPG, je vais réussir à le dire, quand j'y jouais en tout cas, c'est justement les MMO coréens. Alors ouais, c'est du monster bashing et tout ça, mais au moins ils apportent un soin aux personnages, aux armures et tout ça. Ça te donne vraiment envie de progresser, d'avoir des nouvelles armures, même si c'est justement très très galère à avoir dans ce genre de jeu. Apprécie regarder ton personnage. Tandis que dans Elder Scrolls, c'est assez, singulier. Les skins sont vraiment très européens, très, très américains. Ça fait vraiment RPG occidental en fait. Alors c'est un style hein, qui plaît à certains, tout ça. Moi c'est pas trop mon truc en fait. J'arrive même pas à voir sa tête. Il a des pieds à la place des mains. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Moi non plus, je fais plus de MMO, j'ai arrêté. J'ai arrêté après Warcraft, en fait. J'y ai joué pas mal. En fait, j'avais fait un premier compte que j'ai vendu il y a très 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 longtemps. J'avais joué 2-3 ans dessus, je crois. Et j'avais quoi? J'avais un voleur, un guerrier dessus. Puis après, j'ai refait un compte quelques temps après, un an après, peut-être un an et demi après. J'ai fait les mêmes classes mais dans le sens inverse. Guerrier, voleur. Et en fait en 6 mois j'étais dans une guilde assez balèze. Et comme j'avais fait un guerrier, je tankais pour eux. Enfin en tout cas ils prévoyaient de me mettre en tank. Donc ils m'ont stuffé complètement parce qu'ils avaient des mecs en fait qui allaient partir. Mais j'ai vu tellement de donjons de dernier niveau en très peu de temps. Au bout de 6 mois j'en ai eu marre et j'ai arrêté. J'en ai trop vu en fait. Oula, un petit niveau 96. Un mammouth. Bon. On va peut-être aller à la suite. Avant ça, on va se faire celui-là. Là.
Toi t'as juste fait The Elder Scrolls Online. Attaque le mammouth. Non, il est 96, t'es sérieux? Il va me balayer. En fait ça va même pas être tu attaques, c'est il va me mettre un coup, c'est tout. Tank, on va bien s'entendre. Ouais, les tanks j'aime bien en fait parce que souvent c'est ce dont t'as besoin dans un groupe, donc t'as pas besoin de galérer pendant 50 ans. Tu trouves très vite des groupes quand t'as un tank généralement. Bon, le mieux c'est healer, mais healer ça me fatigue un peu. Et DPS c'est même pas la peine, tu trouves jamais le groupe. Il y en a tellement que voilà quoi. Après des MMO, j'en ai fait un paquet, hein. Maintenant que j'y réfléchis. Alors j'ai pas fait forcément les plus connus par contre, bon, à part Warcraft. J'ai fait Asheron's Call 2, j'ai fait Lineage 2, j'ai beaucoup aimé. Même si c'était une plaie pour monter sur serveur officiel. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait l'autre truc là avec les mecs qui peuvent voler, là, qu'ils ont rendu gratuit d'ailleurs. J'ai oublié le nom. J'ai fait Warcraft du coup. Ouais non, en fait j'en ai pas fait tant que ça, j'en ai fait 4-5. Mais bon, ça prend tellement de temps. Et c'est là qu'on se rend compte justement que ça prend du temps, c'est que j'en ai fait que 4-5. Alors que cette année en jeu solo, j'ai bombardé. Hein. J'ai pas un rythme de folie sur les jeux. Parce que déjà j'en commence plein en même temps. Mais j'en ai fait un paquet cette année, enfin... Plutôt 2019, mais là 2020 je suis sur une bonne lancée aussi. Hein. Après je cherche pas à faire des records, mais c'est vrai qu'il y a plein de jeux que j'avais mis de côté et que j'ai pu faire. Ou des jeux que je pensais ne jamais toucher et puis finalement, bah, grâce à vous entre autres, j'ai pu faire. Ça c'est cool. Parce qu'il y en a vraiment des très très bien dans la liste. Les élémentaires, les mobs préférés de Tox, ouais. Ah non, ils sont chiants à taper. Ah, je m'attendais à un nommé ici. Moi les jeux j'en ai très peu donc à chaque fois je les fais à 100%. Bah t'as bien raison. Mais après c'est parce que t'es encore en cours toi. Après je sais pas si tu joues sur PC mais... Bon déjà t'as l'Epic Game Store avec les jeux gratuits toutes les semaines voire deux semaines, je sais plus trop exactement. Enfin maintenant il y a quand même beaucoup de possibilités de jouer gratuitement je trouve, et ça c'est très bien. J'ai tué un Diplodocus avec un arc. Je suis content. Sur quel jeu? Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah oui, mais on est déjà dans le village, en fait. Bah oui, on est déjà dedans. Enfin, plus ou moins, on est en périphérie. Ah, avec un arc dans arc, d'accord. J'allais te poser la question si c'était dans Arc, mais... Quelqu'un te l'a posé avant.
J'écoute, je crois qu'effectivement il y a de l'orage.入り口だ。ああ、あの奥に野本族が詰まってる木があるのか。鳥の人だもん。お帰りなさいなんだもん。村長と話がしたい。通してくれるか。お安い子用だもん。村長の元に案内しよう。さあ、ついてこい。 ホムホム怒るとこわいらしいもん。ホムホム怒るとこわいらしいもん。ノポン族、最果て村の者どもに告げる。メリアエンシェントが再び来訪した。村長と話を所望する。オサよ、姿を見せられ。メリアだもん。鳥の人だもん。メリアが帰ってきたもん。鳥の人が帰ってきたもん。鳥の人。 様、お早いお帰りで。首よく行きましたかも。もしやお月の方々は巨神の血に食えと帰った。私を逃すために。いや、今はその話をしに来たわけではない。ここにいるホムス、シルクたちの願いを聞き届けてもらえぬだろうか。そのホムホムの願いですかも。 エルト海にあげてやってほしい。それは構いませぬが、メディア様はどうなされるのですじゃも。私はこの地でやらねばならぬことがある。この者たちをエルト海にあげたら再び出立する。あの子何か抱え込んでるみたいだけど。こんな場所で一人行き倒れていたんだ。 L'hôtel sacré. On va y avoir de la quête ici. Alors, première chose. Rien que le bruit qu'ils font, c'est juste pas possible, quoi. Ça, en fait, c'est pour débloquer les niveaux de technique, hein. Jusqu'à maintenant, je les ai tous achetés. Je crois pas en avoir oublié. Mais apparemment, c'est pas pour les persos que j'ai avec moi, ça doit être pour l'autre. Donc on va les garder. Et... clac. On va monter ça.
Ah ouais, t'as un esprit tordu, ouais. Estomac crée famine. Dans l'autre, il est entouré de champignons, il a qu'à les manger. En plus, il parle de ça. Ah bah tiens, vous pourriez manger un de ces champignons géants. Les grands esprits se rencontrent. Ouais, bon bref, quête annexe, on récupère ça. Et il me raconte pas sa vie. Ah, il m'en manque un, dommage. Ça peut valoir le coup de faire du troc avec eux. Enfin, avec eux comme n'importe quel personnage, parce que des fois, ils ont les objets dont on a besoin pour augmenter le rang de la colonie. T'as une envie de poulet rôti? Putain, mais en voyant ça, moi, ça me donne pas envie de poulet rôti. Hein. Au contraire. Trouver 5 masques de beauté d'Orluga de la jungle de Makna. Allô. C'est très joli en tout cas ici. Il y a eu un gros travail sur les décors quand même. Hein. Ah merde, je crois qu'il flotte. Ah bah tiens, lui il a d'autres techniques. Comme quoi, faut vraiment faire tous les marchands quoi. Hein. Il me reste des sous. Incroyable. Hop là. Non pas amis-pons, ouais. Ils disent pas les amis, ils disent les amis-pons, effectivement. Qu'est-ce qu'ils étaient relous avec ça dans le numéro 2 Xenoblade. Toi, devenir ami pont, oui? Non? Ah oui, ça, c'était une quête que j'avais eue dans l'autre zone. Et du coup, je devais rencontrer ce bonhomme. Short Panther. Putain, mais il déboîte en plus le short, hein. Ouais, celui qui disait toi devenir serviteur. Ah, qu'est-ce qui m'énervait celui-là. Elle m'a pas fait les d'autres quêtes, c'est incroyable. Généralement, tu rends une quête, t'en récupères 3. Le palier résidentiel. Ok. C'est sympa leur petit village là. Hein. Ils sont bien dans leur arbre.
Toi, ami pont, oui, non? Faut cocher la bonne réponse. Ah ouais. C'est quand même relativement haut. Et encore... encore un tête-à-tête que je pourrais pas faire. C'est bien, ça travaille là. Mais en tout cas, je sais qu'il a parlé de pollen. Voilà. C'était très intéressant, bel échange. Vous allez peut-être entendre l'orage. Donc si ça tonne, je suis désolé. Ouais, ça avance pas beaucoup le sociogramme. À ce niveau-là. Maison de Ricky. Bonne soirée, Morgane. Je vais récupérer les quêtes avant de monter. Tant qu'à faire. Putain, mais ça monte juste. Ah ouais, d'accord, quand même. Ah ouais. Et ça, c'est juste un village. Hein. Rien que pour ça, chapeau aux développeurs. Vraiment, c'est pas mal. Par contre, tout en haut, on ira après. On va juste déclencher la suite des événements. Et en fait, c'est par ici. Apparemment, je peux passer par deux endroits. Les gens qui font 400 heures sur ce jeu, c'est qu'ils prennent les quêtes annexes une par une. Non, je pense que c'est parce qu'ils font tous les, tu sais, tous les monstres niveau 95 et tout ça. Donc faut déjà que tu pecs à mort. Je vais éviter de cracher. Faut que déjà que tu pecs à mort et ensuite que tu arrives à les vaincre parce qu'il y en a des très costauds. Hein. Comment on la récupère celle-là? Par là. Ouais, voilà, t'as 4 super boss niveau 100 plus. Donc ceux-là, t'es obligé de monter déjà. Hein. Au niveau max, je pense. Elle est où la quête là? Elle était pas là? Ouais, 99, le niveau max. Mais faut y arriver déjà au 99. C'est pas mince à faire. C'est bizarre, j'avais vu une quête en montant là, pourquoi je la vois plus? Bon bref. On verra après. Meria, tu veux venir? メリア、君は一人なのかい？仲間は？あれは私の手で倒さねばならぬ。それが死んでいった者たちへの供養なのだ。傷？
あいつは傷を癒しているのか。彼女から受けた傷。あ、彼女に受けた傷。まさか君が倒すべき相手ってテレシア？なぜそなたがテレシアを知っておる。さっきエーテル結晶を取りに行った時に襲われたんだ。そのテレシアってやつに。まあなんとか倒せたけどね。テレシアを倒しただと？ そなた何者だ。モナド、その剣でテレシアを。彼は分身って言ってた。本体はこの原生林のどこかで傷を癒しているって。君なんだろ、テレシアに傷を負わせたのは。メリア、我が祖国から逃れ出た奴を追って私はこの地に来た。 奴は野放しにできぬ。我々やこの地で暮らすノポンのためにもな。メリア、その役目僕らにも手伝わせてくれないか。同情か。違う。ならば哀れみか。そうじゃない。ただ、ただなんだ。奥歯に物が挟まったような物言いは好きではない。君を助けたいんだ。 なぜそこまでする。そなたには私を助ける理由がない。僕は見たんだ。黒い高い塔の頂きで僕は君と一緒に戦っていた。あの顔つきの鬼神兵と、そして君が巨大なテレシアと対峙している姿も見た。なるほど、そういうことか。シュルク、そなたが何を言っているのかさっぱりわからぬ。シュルクはさ、見えるんだよ未来が。 未来が見えるだと。弱いことを申すな。信じる信じないは勝手さ。って前にも誰かにこんなこと言ったよな俺。私よ。ああそうか。まあとにかくだ、俺たちはシュルクのビジョンの力に導かれてここまで来た。ビジョンにあんたが出てきたってんなら、あんたは俺らにとってきっと重要な存在なんだろうな。あの顔つきとの戦いの場に至ってんならなおさらだ。 この話乗るぜ俺も。俺も乗ろう。女性を一人で戦場に行かせるようなやろうはクズだ。ちょっと待ってくれ。私は私の力でテレシアを撃たねばならない。女性を受けるわけにはいかぬ。メリア様、失礼ながら聞かせてもらいましたじゃも。この者たちの折角の申し出良いではありませんかも。 ことは我らの生活にとどまらず、この幕が全体にも影響しますじゃも。ここは我らがノポンの勇者も共に行かせますじゃも。しかし村尾さん、お供がホムホムだけではいささか心もとないですからも。さっきから黙って聞いてれば何つ言い草だよ。ノポンの勇者には下で引き合わせますじゃも。 わしは先に下に降りていますじゃも。ではごめんですじゃも。なんだよノポンの勇者って、うっさんくせえな。まあそう言わずに行ってみようよ。un héros pont. Bon, du coup, faut redescendre, c'est ça? Ça me paraît un peu haut pour la mare, là. Et là, ça se tente ou pas? Oh putain! Oh putain! On va y aller petit à petit du coup. Je suis sûr que j'aurais pu sauter dans la mare. Sur les câbles, ouais. Dommage, c'était un petit peu trop.
Mais je pense pas beaucoup trop. Mais dans le 2 justement, t'avais plein de d'endroits cachés comme ça où récupérer des composants, des coffres. Il fallait faire des fois des acrobaties un peu folles. Allez, vas-y, serre-moi en quête là. Ah, le chien.話を聞くにこれから俺たちが相手をするのはその親玉みたいなもんだろう。お前ら一瞬たりとも気を抜くなよ。はい。元よりその積もりだぜ。それとメリアはエルト会への大事な道案内人だ。その案内人の皆に借りてもしたら寝覚めが悪い。目的はただ達成すればいいってもんじゃない。そこのとこも忘れるなよ。 テレシアの情報もすんごく強いもんだけじゃねえか。なんか押し付けられた感がするのは気のせいかしら。